Et le sujet de la table ronde que nous avons ce soir est un dossier qui est assez original, un petit peu inhabituel, que l'on n'aborde pas souvent dans les réflexions éthiques et qui pourtant, je suis persuadé que la table ronde va bien le démontrer, est absolument indispensable. Et en tout cas, donc, si je prends l'exemple du débat précédent, et puis j'ai déjà pu participer, enfin insister aux autres aussi, l'argent n'est jamais absent des réflexions. L'argent intervient toujours. Eh bien, l'argent, c'est le sujet de notre table ronde de ce soir. On n'a pas l'intention de pouvoir être exhaustif et de pouvoir analyser tous les aspects financiers qui entourent la reproduction et les techniques qui de plus en plus interviennent dans notre procréation humaine. Mais voilà, on a choisi trois éclairages à partir desquels donc, la réflexion que l'on pourra développer pourra éventuellement s'étendre à d'autres aspects qui n'auront pas été couverts, mais qui nous aideront à comprendre qu'on ne peut pas occulter en tout cas la réflexion autour de l'argent lorsqu'il s'agit de la reproduction. Alors tu l'as dit, moi je suis gynécologue obstétricien, je travaille à Montpellier, au CHU, et à ce titre, je ne suis pas un homme d'argent. Je suis avant tout un médecin de la gynécologie obstétrique, et j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la procréation, de la reproduction, qui a été mon sujet, disons le sillon plus particulier que j'étais amené à tracer. Mais je suis tout sauf un homme d'argent. Alors peut-être est-ce un fait exprès. En France, on n'aime pas parler d'argent parce qu'on a une culture qui est que l'accès à la médecine, l'accès aux soins et donc l'accès à la procréation dont on parle là doit être égal pour tous, doit être partagé. Et ce magnifique outil de partage qu'est la sécurité sociale à laquelle nous tenons tous, nous offre cette possibilité extraordinaire qui nous est enviée d'ailleurs souvent à l'étranger, de pouvoir accéder à des soins de qualité sans bourse déliée. Alors je sais bien qu'on le paye quelque part quand même, mais c'est une très haute solidarité qui permet de subvenir donc aux frais, et individuellement on a un accès qui est finalement assez égalitaire. Et on aime donc de ce fait pas parler d'argent. On ne sait pas bien combien coûte notre santé, combien on dépense quand on va à la pharmacie acheter des médicaments, il y a le tiers payant, combien ça va coûter de se faire, d'avoir telle intervention, parce que là aussi on est entièrement pris en charge et on ne sait pas parler d'argent. Alors peut-être est-ce la raison pour laquelle, à la réflexion, pour monter cette table ronde, ai-je été amené à faire appel à l'étranger ? Et c'est ainsi que pour les trois sujets que l'on va couvrir, eh bien vous allez voir donc les trois personnes qui m'entourent et que je remercie d'avoir donc accepté cette invitation et puis de livrer donc votre éclairage particulier, votre approche individuelle. Je vous remercie d'autant plus que vous venez donc tous les trois de l'étranger et que c'était la seule manière de pouvoir aborder ces questions de manière, détachée, avec le recul nécessaire, que ça stimule notre réflexion, parce que nous avons été trop déshabitués à parler de l'argent en matière de santé. Voilà, alors, mais je vais vous donner donc la parole successivement pour que vous vous présentiez. Et puis après, je présenterai vos trois sujets que l'on abordera de manière successive. Alors, je vais donner la parole au fur et à mesure de l'ordre que l'on a établi entre nous. Donc, en premier, Ernest, vas-y, présente-toi. Très bien. Je voudrais tout d'abord remercier le professeur Nissan et Bernard Hédon de l'invitation. Je suis très honoré d'être ici, c'est un grand plaisir. Donc moi je suis belge, gynécologue de formation. J'ai dirigé une équipe de PMA en Belgique et puis il y a 25 ans j'ai quitté la Belgique pour m'installer en Suisse où je travaille et j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique spécialisée dans le développement de médicaments pour la fertilité. Merci beaucoup Ernest. Si je peux juste rajouter une chose, c'est que donc je t'ai bien connu en tant que participant à l'industrie pharmaceutique qui faisait des médicaments spécifiques pour la fertilité. Bon, bien sûr, dans ton rôle de médecin, puisque tu es médecin comme moi. D'ailleurs, à peu près, nous avons fait notre progression à peu près ensemble, bien que toi peut-être juste un tout petit peu plus jeune que moi, mais on s'est quand même très largement suivi. Et puis ensuite, je t'ai vu prendre du recul par rapport à cette industrie. Tu as changé, tu as monté ta propre société, donc tu es toujours très impliqué dans l'industrie, donc tu connais ça sur le bout des doigts. Mais en même temps, il me paraissait très important
que tu ne sois pas complètement juge et partie, c'est-à-dire que tu puisses avoir un regard un petit peu décalé par rapport à ce qu'a été ta première vie dans l'industrie. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé à faire appel à toi. Et je te remercie donc beaucoup d'avoir accepté mon invitation de ce point de vue. Alors la deuxième personne qui va intervenir, donc, c'est Auriol Coy, qui lui aussi est un collègue. Donc Auriol, vas-y, présente-toi. Moi, je suis gynéco de formation, formé à Barcelone et formé aux États-Unis, et j'ai été gynéco-obstétricien au CHU de Barcelone et patron d'obstétrique à risque pendant des années, pendant plus de 20 ans professeur de l'Université de Barcelone, et j'ai été fondateur de la clinique Eugène, que probablement pour beaucoup d'entre vous, c'est un nom qui vous dit quelque chose, car de nombreux couples français sont venus chez vous. Gine, ça n'a pas été un centre médical quelconque, ça a été un centre médical, comme je vous expliquerai plus tard, qui a transformé un petit peu le secteur, et parce qu'il a adressé l'industrie de la médecine de façon tout à fait différente. Moi, je suis francophone par un hasard, je suis francophone parce que ma mère a été ici en France dans les années 50, elle a vu Édith Piaf, elle a vu que chez nous, c'était un État fasciste sans trop d'intérêt et qu'elle était illuminée par cette France des années 50. Et donc, elle s'est dit, voilà, moi, je veux pour mes enfants une éducation absolument libre et ouverte. Et c'est pour ça que j'ai étudié en Espagne, pendant la dictature, la Révolution française, tout ça. Et je suis devenu un petit peu, quelque part, un petit peu français. Donc, c'est thèse, antithèse, synthèse qui vous tracasse tout le temps et vous tournez en rond, comme j'ai vu. Alors, vous pouvez discuter de bioéthique de mardi jusque-là, donc ça me va très bien, même si dans ma formation médicale, je suis plutôt américain et plutôt plus centré vers les côtés pragmatiques de la vie. Merci beaucoup, Auriol. Tu n'as pas dit que tu étais espagnol ou que tu étais catalan, mais c'est un autre débat. Je ne vais surtout pas te demander de trancher la chose. Ce que nous apprécions, c'est que tu sois francophone et que toi aussi, tu te sois rendu disponible pour cette table ronde. Avec cette expérience extraordinaire que j'admire beaucoup et que moi je vois de l'autre côté de la frontière, hein, puisque voilà, on a les Pyrénées qui nous séparent, mais à côté et en ami, et qui nous sert beaucoup pour toutes nos patientes, donc de Montpellier et des alentours, que nous sommes amenés à adresser à l'Espagne pour les raisons qui ont déjà été évoquées ici et débattues, hein, et qui sont sous-jacentes à de très nombreux débats autour du don d'ovocytes, de l'autoconservation des ovocytes, etc. Tu allais rajouter quelque chose? Depuis 3 ans, je ne suis plus dans le médical, parce que mon objectif, c'est l'innovation, c'est être dans les milieux où les choses se poussent à nouveau. Et maintenant, j'ai arrêté d'être au CHU, j'ai arrêté d'être à Eugène, et je pousse des petits projets ou des grands projets dans le médical ou non médical, dans l'innovation, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est avoir des objectifs et arriver à des conclusions. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, et notre troisième intervenante est Maude Bucchicio. Donc, Maude, tu as la parole. Bonjour, bonsoir plutôt. Merci d'être là à cette heure tardive pendant votre week-end. J'espère que vous n'allez pas regretter. Et pendant le match de rugby. Pendant le match de rugby en plus. Je suis en minorité ce soir, dans la mesure où le panel précédent était composé principalement des femmes. Ce soir, c'est le contraire, mais je vais vivre avec. Je me sens aussi en minorité parce que je me retrouve parmi des professionnels de la médecine et je ne suis qu'une simple juriste. Mais je pense qu'une contribution d'une juriste, et notamment un juriste qui attache beaucoup d'importance aux droits de l'homme, pourrait aussi éclairer le débat ce soir, qui est justement, qui doit être un débat apaisé, même si parfois le sujet qui est tellement complexe évoque des émotions. Alors, pour me présenter davantage et pour rappeler brièvement d'où je viens, je suis de nationalité néerlandaise. J'ai passé beaucoup de temps de ma vie, en fait la majorité de ma vie, à Strasbourg, où j'ai suivi une carrière au Conseil de l'Europe. La dernière fonction que j'ai occupée était celle de secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe. Mais actuellement, je suis rapporteur spécial des Nations Unies sur la vente et l'exploitation sexuelle des enfants. Donc c'est à ce titre-là que j'interviendrai ce soir. Oui, merci beaucoup. Donc, vous l'avez compris, les 3 sujets qui vont être abordés sont complètement différents. D'où le fait que le schéma de la table ronde sera un peu particulier. On va faire une discussion à chaque étape, sur chacun des 3 sujets. Et le premier sujet, donc, ce sera celui sur l'industrie pharmaceutique.
Oui, il y a une industrie derrière la procréation. Il y a une industrie, notamment pharmaceutique, qui produit des médicaments et qui fonctionne d'une certaine manière. Je vais bien sûr laisser Ernest développer ce sujet-là, mais ça mérite donc d'en avoir, une idée un peu précise. Et c'est l'objectif de cette table ronde, bien de dire les choses, de les mettre sur la table pour éviter qu'il y ait des fantasmes, des rumeurs et qu'il y ait souvent des choses fausses qui soient colportées, tout simplement parce qu'on ne sait pas et on dit sans savoir. Donc, à partir de ce soir, on saura donc qu'est-ce que ça représente pour l'industrie pharmaceutique que ce marché de la procréation. Le deuxième sujet, c'est un autre aspect, mais c'est vu sous l'angle médical. Alors, c'est particulier parce qu'en France, on n'en a pas du tout l'habitude. Notre fonctionnement n'est pas un fonctionnement de marché sur le plan médical, mais le marché, il existe. Et on a cet exemple espagnol qui nous joue, c'est là-dessus, Auriol, donc je le laisserai développer avec sa manière de voir qui est très teintée donc, de la culture anglo-saxonne, mais aussi qui connaît parfaitement notre culture française. Puis, troisième marché, donc Maud nous l'a dit, vous l'avez vu, c'est donc le marché donc des gamètes, des tissus humains et jusque à celui des enfants. Donc voilà donc nos trois sujets donc, qui sont différents et on discutera à chacun d'entre eux. Et pour donc le premier sujet, celui sur l'industrie pharmaceutique, je donne la parole à Ernest. Merci Bernard. Donc la fertilité et l'industrie pharmaceutique. Il est indispensable d'avoir des médicaments pour procéder à une procédure de fécondation in vitro de PMA. Et le médicament principal qui est utilisé, c'est une hormone naturelle, la FSH, qui stimule le développement de plusieurs ovocytes pour avoir en effet plusieurs embryons et avoir une chance de succès plus élevée. Donc ces médicaments sont fabriqués par l'industrie et si souvent en fait l'académique va faire des découvertes, c'est l'industrie qui va transformer la découverte en un médicament qui va être évalué pour être sécur et efficace et qui va être reconnu par les autorités, j'y reviendrai. Alors, ces médicaments pour la fertilité, il y a une demande qui continue à croître en permanence. Pourquoi ? Parce que pour des raisons sociologiques, la fertilité diminue, puisque en une génération, l'âge de la première grossesse est passé de 22 ans à 32 ans dans les métropoles. Or, on sait que la fertilité féminine diminue avec l'âge, avec déjà un point d'inflexion autour de 30 ans, qui s'accélère après 37 ans. Et donc, ces femmes qui décident d'avoir un enfant, ces couples à 33, 34, 35 ans, souvent ont en tout cas une subfertilité, une difficulté à concevoir, et on fait plus souvent appel au PMA. Il y a un autre élément qui se développe maintenant, c'est que beaucoup de pays qui n'avaient pas accès à la PMA il y a 20 ans ont maintenant accès à la PMA. On estime qu'il y a 200 000 cycles de PMA aux États-Unis par an, 600 000 en Europe, et on estime maintenant 800 000 en Chine, et spécialement depuis qu'ils ont relâché la politique de l'enfant unique. Et entre 300 et 400 000 au Japon pour une population de 110 millions d'habitants parce que la population vieillit et donc fait appel à ces PMA. Sur le plan de l'industrie pharmaceutique, c'est donc un marché qui continue à croître. Le coût des médicaments pour un cycle de PMA en Europe est de 600 à 800 euros. En France, vous n'allez pas le voir parce que la sécurité sociale va le couvrir. Mais le prix actuel réel, c'est entre 600 et 800 euros. Aux États-Unis, c'est entre 2000 et 2500 euros. Le nombre de cycles et le coût des médicaments font que le marché de l'infertilité pour l'industrie pharmaceutique est entre 2 milliards et 2 milliards et demi d'euros par an. Alors, ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est considéré comme un petit marché. Et les trois sociétés principales qui étaient impliquées dans la production et la vente de ces médicaments, deux des trois ont été absorbées par des grands groupes qui avaient un intérêt dans leur portefeuille de produits autre que la fertilité. C'est Renault a été racheté par Merck en Allemagne et Organon a été racheté par Merck aux États-Unis. Et seul Ferring reste une société indépendante en fertilité. Ces grosses sociétés qui ont repris les portefeuilles de fertilité ne font plus de recherche en fertilité.
Et donc il y a vraiment un vide, même si le marché paraît significatif, l'industrie préfère se focaliser sur l'oncologie, cancérologie, immuno-oncologie et cardiovasculaire, parce que là on parle de marché beaucoup plus important. Le fait que ces grandes sociétés ont quitté le domaine de la fertilité ont créé un vide, et maintenant on voit des dizaines de petites sociétés comme la mienne qui se disent il y a une opportunité et on va se focaliser vraiment sur des médicaments pour la fertilité. Par exemple, dans notre portefeuille, on a un médicament qui est en train d'être testé pour augmenter les chances de l'embryon de s'implanter. Mais ces sociétés ne gagnent pas d'argent, donc elles doivent lever des fonds. Et les coûts de développement sont très importants. On estime, par exemple, que ce qu'on peut faire des phases 3, donc c'est-à-dire les dernières phases avant d'avoir une autorisation de mise sur le marché, reviennent en fertilité à peu près 100 millions d'euros. Donc ce sont des sommes importantes pour des sociétés qui ne gagnent pas d'argent. Et donc là, on voit qu'on a un système de financement qui est du capital risque, qui, en fait, est le plus souvent disponible aux États-Unis et trop peu en Europe, même s'il y en a en Europe. Et donc, des sociétés européennes comme les nôtres vont chercher des capitaux aux États-Unis, et c'est par exemple pour ça que nous avons mis notre société en bourse à New York l'année passée pour lever des fonds. Après que les résultats soient positifs, ce qui n'est pas toujours le cas, il y a un risque, on va chercher une autorisation de mise sur le marché, qui en Europe est centralisée. C'est l'Agence européenne du médicament qui va vous donner une autorisation de mise sur le marché sur les 27 pays européens. Par contre, la société pharmaceutique ayant sa licence de commercialiser va chercher à avoir le prix le plus important pour son médicament, puisqu'elle doit être rentable, elle cherche à faire le plus de profit possible et elle a investi pendant des années, des dizaines, si pas des centaines de millions. Et là, on a un contre-pouvoir. Le contre-pouvoir, c'est qu'en Europe, malgré un enregistrement centralisé des médicaments, c'est-à-dire qu'une fois que la décision est prise, tous les pays sont obligés d'accepter le médicament, le prix de remboursement du médicament est défini par chaque pays. Et donc le pays continue à contrôler le prix du médicament. Ce qui, je dois dire, nous met dans une situation parfois pas facile, parce que si dans un pays on a un prix de 10 francs et que dans un autre pays on a un prix de 20 francs, eh bien il y a des gens qui vont acheter le médicament dans le pays à 10 francs pour le transférer dans le pays où c'est à 20 francs et ils vont faire la marge de différence. Donc sur le prix du médicament, il y a ce contrôle des pays et il y a cet équilibre naturel qui se fait que si on veut avoir un marché européen, eh bien, on va trouver un prix qui convient à la majorité des pays européens. Aux États-Unis, les prix sont libres, et donc les firmes pharmaceutiques peuvent augmenter leurs prix d'année en année. Mais bien sûr, maintenant, il y a un contre-pouvoir qui s'établit, et le contre-pouvoir n'est pas l'État, mais les compagnies d'assurance qui vont faire des accords avec les firmes pharmaceutiques pour maintenir le prix ou contrôler le prix des médicaments. Donc ça, c'est un peu le tableau de l'industrie pharmaceutique. Est-ce qu'il va y avoir, peut-être quelques derniers commentaires avant de passer aux questions, est-ce qu'il y aura une recherche qui va continuer? Oui, je pense que la recherche continue, parce qu'il y a justement ces jeunes sociétés qui trouvent des opportunités, qui sont peut-être moins avides de très gros marchés, et qui se disent, mais si je peux avoir un marché raisonnable, je vais m'investir, et on trouve des capitaux à risque qui financent ces sociétés. Et donc je suis très convaincu qu'on a trouvé, ou on trouve un équilibre, où l'équilibre continue à se maintenir afin de continuer à innover dans ce domaine, malgré le désintérêt, je dirais, des grosses firmes pharmaceutiques. Voilà Bernard, un peu le tableau. Bravo, bravo et merci beaucoup parce que tu as esquissé un temps record, donc un tableau très précis hein, de ce qu'est l'industrie pharmaceutique dans ce domaine. Est-ce que l'industrie prend en compte que l'augmentation du marché, donc tu as cité l'augmentation de la fréquence de l'infécondité, peut subir un à-coup positif majeur du fait de l'évolution
de la place que prend l'assistance médicale à procréation dans la vie moderne et dans les pays modernes. Et ce forum d'éthique illustre bien donc le nombre de situations hors champ de l'infécondité où l'assistance médicale à procréation peut intervenir. Est-ce que ça, c'est susceptible de booster le marché de la fécondité à un niveau suffisant pour stimuler la recherche de manière significative ? Oui, je pense que l'industrie est extrêmement pragmatique. C'est-à-dire que si une petite société développe un médicament et que ce marché s'accroît, immédiatement les grosses sociétés commencent à regarder. Et à ce moment-là, disent, est-ce qu'on veut faire un partnership ? Est-ce qu'on veut investir ensemble ? Donc oui, je pense que c'est tout à fait favorable. Il y a un autre contexte qui est très présent aux États-Unis et peut-être je le perçois moins en Europe. Mais c'est de dire, au-delà de la fertilité, l'industrie a trop ignoré la santé de la femme. Et il y a trop de conditions comme le fibrome, l'endométriose, qui ont été négligées, des maladies bénignes, mais qui sont très invalidantes pour les patients, et qui ont été négligées parce qu'on considérait que c'était peut-être pas trop innovant ou parce que les marchés n'étaient pas suffisants. Et là, on a un réel, maintenant, prise de conscience dans un contexte plus général d'égalité hommes-femmes et d'intérêt de problèmes spécifiques aux femmes dans ce contexte. Et on voit maintenant à la télévision américaine, ça tourne en boucle, des actrices connues qui disent « Moi j'ai une endométriose, on ne s'occupe pas de moi. Moi j'ai souffert de fibrome, j'ai dû avoir une hystérectomie, j'aurais voulu avoir un médicament, on ne s'occupe pas de moi. » Donc je pense que les choses évoluent au-delà même de l'infertilité. Merci beaucoup, bien sûr. Donc la parole est à la salle. Oui, tu as une question là ? Oui, j'ai une question. Merci pour cet exposé très clair. J'ai entendu dire, mais je ne sais pas si c'est vrai, vous le confirmerez, que pour mettre un nouveau médicament sur le marché, c'est à peu près 1 milliard d'euros de coûts entre les expérimentations diverses et variées et les différents comités qui doivent donner leur avis. Un laboratoire qui met un médicament sur le marché ne va pas pouvoir très longtemps profiter des bénéfices, puisqu'il vient un moment où le médicament tombe dans le domaine public et peut être recopié. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette durée de temps, avant la tombée dans le secteur public d'une molécule, est trop courte et oblige les laboratoires à faire des prix exorbitants pour être sûr de compenser les dépenses avant que d'autres laboratoires recopient simplement la molécule? Oui, vous avez tout à fait raison. Hein. Vous avez tout à fait raison. Maintenant, les chiffres d'un milliard, un milliard d'euros par médicament, c'est vraiment intégré depuis le tout début de la découverte avec tous les échecs possibles, parce que 98% des médicaments n'arriveront jamais sur le marché. Pour nuancer ça, je dirais que les modèles de beaucoup de petites sociétés comme les nôtres, c'est de prendre des médicaments qui ont été abandonnés parce que les marchés n'étaient pas suffisants, etc. Et je dirais que donc on est plus dans des 200 à 300 millions. Ça reste des sommes importantes. Pour la durée de protection, c'est certain que, et là, je ne plaide pas pour ma chapelle, l'industrie pleure toujours que c'est toujours trop court, parce qu'on voudrait avoir une exclusivité permanente. Je pense qu'il y a une balance qui existe, qui peut d'ailleurs être modifiée, mais il est certain qu'il y a une série de processus de brevets qui fait qu'au-delà du brevet de ce qu'on appelle la composition de la matière, on peut ajouter d'autres brevets. Il y a aussi une protection, par exemple en Europe, qu'un nouveau médicament est protégé pendant 10 ans. Brevet ou pas, il est protégé pendant 10 ans. Et si vous avez un médicament pour une maladie rare, il est protégé de toute façon pendant 7 ans. Donc je pense que vous avez raison. Je pense que la réalité n'est pas de dire c'est dramatique pour l'industrie pharmaceutique. Ce n'est pas de dire il n'y a pas d'amélioration possible. Mais c'est aussi le rôle de l'industrie de naviguer dans les systèmes qui existent pour essayer de prolonger. Parce qu'en effet, après, eh bien, tout le monde peut copier, on n'a rien investi et on vend les médicaments à des prix beaucoup plus bas. Merci. Une autre question de la salle ? Tu en as une autre ? Là, sinon, moi, j'en ai une aussi. S'il n'y en a pas, le monsieur là qui lève le... Quel est le délai entre le départ et la mise sur le marché ?
entre l'idée d'avoir de travailler sur une molécule et donc après les différentes phases d'essai, les trois phases d'essai et la mise l'AMM. Lorsque vous déposez un brevet, vous avez une protection de 21 ans, une exclusivité de 21 ans. Il faut savoir qu'on a à peu près en moyenne 10 ans entre la découverte et la mise sur le marché. Il y a cependant un système qui est ce qu'on appelle le SPC, qui, si vous avez moins de 15 ans qui restent de protection, vous pouvez réclamer une extension. Donc, oui, ça prend du temps, mais soyons aussi objectifs. On peut obtenir aisément entre 10 et 15 ans de protection. Parfois, ce n'est pas assez, parfois, c'est raisonnable. Alors, avant la question suivante, il y a Auriol qui voudrait intervenir. Donc, vas-y, Auriol. Est-ce que nous sommes vraiment pas dans une grande catastrophe par rapport au traitement aigu de quoi que ce soit ? C'est-à-dire, c'est pas simplement l'AMP, mais c'est les antibiotiques. Tous les traitements de courte durée n'ont pas de futur dans notre système parce que l'investissement qu'ils demandent est tellement fort que maintenant, on ne cherche que des molécules pour les problèmes chroniques ou les cancers. Quel est le futur qu'on a ? Et l'AMP, alors rappelez-vous, en bioéthique, ça fait beaucoup l'AMP, mais en médecine et pour les hôpitaux, ça n'a aucune importance, c'est nul. Quelqu'un de médecine interne, un gérant d'un hôpital, l'AMP, c'est quasiment zéro. Et les médicaments AMP, c'est quasiment zéro. Les antibiotiques, c'est quasiment zéro aujourd'hui. C'est 2 milliards, mais c'est effectivement un petit marché, comme il l'a dit, qu'est-ce par rapport qui va nous arriver aux pathologies cardiovasculaires et au cancer. Alors oui, c'est vrai qu'il y a probablement... pas suffisamment de motivation pour adresser certaines maladies. Mais je reste assez optimiste parce que le prix des médicaments continue à augmenter. Hein, et d'ailleurs, il y a un vrai problème parce que le prix des médicaments... Maintenant, on sort des médicaments en oncologie, on vous demande 700 000 euros par an. Hein, donc, je veux dire, soyons raisonnables. Hein, avant, quand on avait 700 euros, on était content. Maintenant, on en demande 700 000. Je ne dis pas en infertilité. Mais donc, il y a... Mais on voit très bien que lorsqu'il y a une nouvelle génération, par exemple dans le fibrome et dans l'endométriose, il y a une nouvelle génération qui est en train de sortir, qui est en phase 3. Il y en a 3 en développement. Un des 3 dans notre société. Mais il y a un des médicaments de la même classe qui est développé par AbbVie, qui est une très grosse société. Pourquoi ? Parce qu'ils ont perçu le potentiel de ce nouveau médicament. Donc, si on trouve des molécules qui ont un potentiel sur la santé publique, les prix étant ce qu'ils sont, il y a un mouvement qui se crée et l'industrie regarde et saisit des opportunités. Je ne dis pas que c'est parfait, mais il y a des opportunités parce que les prix augmentent aussi. Merci. Donc les deux dernières questions. Monsieur au fond, oui. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez par rapport aux médicaments et de la fertilité, parce que c'est un problème qui est quand même global à tous les médicaments. Aujourd'hui, on investit énormément dans la recherche pour le diabète pour produire de nouveaux médicaments, alors que pour la maladie de Parkinson ou pour la migraine, rien ne se passe depuis bien des années. Et pour rebondir sur ce que disait M. Nizan par rapport au domaine public et aux 10 ans pendant lesquels le médicament est la propriété du laboratoire et ensuite la molécule peut être copiée, c'est bien sûr le phénomène du générique et on voit bien que c'est un énorme marché au point même que la sécurité sociale rémunère les médecins pour prescrire des médicaments génériques. Et ma question elle est, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'utilise pas ce que je crois qu'on appelle le TFR, le tarif fonctionnel de responsabilité, c'est-à-dire qu'on n'autoriserait pas d'autres laboratoires à copier les molécules, mais que tout simplement on donnerait l'autorisation au laboratoire de départ de continuer à commercialiser la molécule dont il a fait la recherche, mais au prix du générique. On ferait quand même de l'économie et on ferait peut-être alors plus de recherche. Sur le plan du générique, ce qui se passe maintenant, en fait, hein, c'est que l'industrie, la société qui a innové, garde son médicament sur le marché. Les génériques apparaissent. Et la société qui a innové fait son propre générique. Et elle se dit, pourquoi est-ce que je laisserais le marché du générique à un autre ? Mais par contre, je garde mon médicament initial. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui sont habitués, parce que, etc. Donc, je pense que le générique est une bonne chose. C'est toujours un pouvoir et un contre-pouvoir. Il faut toujours trouver un équilibre. S'il n'y a plus de profit dans l'industrie pharmaceutique, ne me faites pas dire que c'est
que c'est le cas, hein, parce que l'industrie est très profitable. S'il n'y a plus de profit dans l'industrie pharmaceutique, il n'y aura plus de recherche, il n'y aura plus de nouveaux médicaments. Il faut trouver l'équilibre. Pierre Joinet. Pierre Joinet, après monsieur. Oui, vous nous avez dit que votre société travaille à la mise au point d'un produit pour améliorer le développement embryonnaire et l'implantation. En France, ce type de produit n'est pas considéré comme un médicament, mais comme un produit thérapeutique annexe. Et donc, je voulais savoir ce que vous en pensiez, si pour vous c'est un avantage ou un inconvénient, et comment ça se passe dans d'autres pays. Est-ce que votre molécule va être traitée différemment des médicaments dans les autres pays? Oui, j'ajouterai la question de Pierre Joinet, s'il y a une orientation particulière que prend l'industrie actuellement pour couvrir des sujets autour de l'infécondité qui ne sont pas suffisamment couverts actuellement. Tu as cité l'implantation. Est-ce qu'il y a d'autres orientations? Tu as parlé aussi donc des pathologies annexes, mais qui retentissent sur la fertilité, fibromes, endométriose. Donc, est-ce qu'il y a une orientation particulière de la part de l'industrie? Toute molécule chimique est administrée dans un contexte même de PMA. C'est un enregistrement européen de médicaments. Donc, on n'est pas dans une autre catégorie qu'un antibiotique ou un antidiabétique. On voit très très peu de recherches en fertilité. En gynécologie, on en voit plus. Parce qu'on se rend compte maintenant qu'il y a une grande population à traiter, donc il y a de nouveau une attraction du marché. En contraception, je pense qu'il n'y a plus grand-chose, il n'y a plus rien. Très peu. En hormonal replacement therapy, hormone de la ménopause, donc hormone de remplacement des hormones après la ménopause, il n'y a quasiment plus rien. La FDA ne veut plus voir des nouveaux médicaments pour l'hormonal replacement therapy. Elle estime que le marché est satisfait, que les médicaments qu'on a sont bien caractérisés et on n'apportera rien. On pourra apporter quelque chose de très spécifique pour l'os, mais ça c'est différent. Mais je dirais dans la classe des stéroïdes habituellement. Donc s'il y a deux zones qui sont à l'arrêt, c'est la contraception et le traitement de la ménopause au point de vue hormonal. Fertilité, je pense, c'est vraiment dans les petites sociétés pour le moment. Parfait, merci beaucoup. Dernière question, monsieur. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut d'abord un accord européen pour la mise sur le marché du médicament et ensuite un accord sur le prix au niveau de chaque pays. Je crois savoir que pour un médicament sur la sclérose ou la plaque, la mise sur le marché en France est retardée du fait d'un manque d'accord sur le prix. Alors la première question c'est est-ce que ça aboutit à la mise sur le marché dans chaque pays séparément, un décalage plus ou moins important. Et deuxième question, vous avez dit que, vu la différence de prix d'un pays à l'autre, le pays où c'est le plus cher va acheter dans le pays le moins cher, mais est-ce que l'industrie pharmaceutique ne fait pas la même chose en pratiquant des prix différenciés d'un pays à l'autre? Oui, vous avez tout à fait raison. Et là, je pense que tous les partis sont coupables, c'est-à-dire que l'industrie va négocier avec chaque pays un prix de médicament, de remboursement. Si, dans un pays, elle n'a pas un prix qui est proche, dans les 20%, des autres pays, l'industrie va décider de ne pas mettre le médicament dans ce pays-là. Pourquoi? Parce que si elle accepte un prix, par exemple, de 50% de ce qu'elle a dans les autres pays, il y a des grossistes en médicaments qui vont fournir tous les autres pays à partir de la France. Et c'est ce qu'on appelle une importation parallèle, parce qu'il y a libre circulation des médicaments en Europe. Alors, on est tous coupables, l'industrie, parce qu'elle joue ce jeu-là, mais aussi, pourquoi est-ce que, je vais prendre la France, mais ça peut être un autre pays, pourquoi est-ce que la France dit, moi je vous donne 10 francs, alors que l'Allemagne, l'Angleterre et la Hollande vous donnent 20 francs? Voilà. Mais c'est un fait, c'est comme ça, chaque pays contrôle son prix de médicaments.
Merci beaucoup, Ernest, de cette grande honnêteté et de cette surtout très grande clarté dans le fonctionnement de l'industrie. On est dans un forum. Merci pour lui. On est dans un forum de bioéthique et je voulais quand même te poser une question qui tourne autour de la bioéthique. Est-ce que l'industrie est bougée en quelque sorte par l'éthique, parce qu'on sent très bien que donc les données économiques là sont intangibles et on voit très bien la manière dont l'industrie raisonne à partir du marché et des orientations, et tu as été très clair là-dessus. Est-ce qu'il y a quand même des données éthiques qui peuvent intervenir? On a un exemple de médicament qui est le médicament abortif, ce qu'on a longtemps appelé le RU486, Mifégine, et dont l'industrie s'est dégagée parce que par peur de conséquences économiques, mais aussi peut-être pour des raisons d'ordre éthique. Est-ce que on retrouve le même phénomène pour certains médicaments qui ont trait à la fertilité? Tout à fait. Je pense que on dit toujours, s'il n'y a pas de bonne science, il n'y a pas de bon médicament. Il faut pas tricher. Finalement, ça ne marche jamais. Sur le plan éthique, il est évident que l'industrie est sensible. Maintenant, il y a des sensibilités différentes. Et en plus, cette sensibilité, elle n'est pas toujours libre. Parce que vous pouvez vous dire, le RU486, j'estime que c'est honnête de le mettre sur le marché, ça rend un service public. Mais il y a des groupes d'influence qui vont dire, ah, cette société-là, elle met le RU486. Eh bien, les 90% de ces médicaments, on va les boycotter. Et on va couler cette entreprise. Donc, les choses sont complexes, et parfois il y a des choix en disant, je préférerais le faire, mais est-ce que je vais mettre en cause l'ensemble de mon entreprise pour ça? Donc, c'est complexe, mais il y a des choix. Et il y a un autre choix aussi qui intervient, moins en Europe qu'aux États-Unis. Mais aux États-Unis, ils sont obsédés par liability, la responsabilité. Et ça a écarté beaucoup d'entreprises, justement, de la fertilité. Parce qu'ils se disent, ah oui, mais si après il y a un enfant anormal, on va venir nous chercher des millions de dollars. Alors, c'est une réalité, mais il faut être plus nuancé aussi. Et c'est là où peut-être les petites entreprises ont un rôle à jouer. Parce que ces gens qui vont se plaindre pour réclamer des millions de dollars, ils savent qu'ils peuvent obtenir des millions de dollars de grosses entreprises qui font de gros bénéfices. Lorsque vous êtes une petite entreprise, on n'a pas d'argent. Donc, on peut plus facilement prendre le risque de développer ce genre de médicaments. Merci encore. Bravo et merci. Voilà, donc, on tourne au deuxième sujet de notre table ronde, donc qui est complètement différent, même s'il s'agit toujours d'un marché, mais cette fois-ci plus vu sous l'angle médical, de l'organisation médicale, en prenant exemple sur cette organisation qui s'est mise en place en Espagne et dont tu as été un novateur et un porteur au départ, Auriol, donc je te donne la parole. Merci beaucoup. D'abord, je dois féliciter Israël Lison pour être en pleine forme et être une vraie autorité en ce qui concerne l'éthique, parce qu'il a toujours été là, toujours eu des avis très forts. Et ça, c'est à remercier, parce que c'est pas facile souvent d'avoir des avis sur des sujets polémiques. Donc, merci beaucoup. Et aussi, je voudrais dire bonjour à Catherine Rangière, à professeur Joannet et aussi à Louis Bujan qui sont par là, avec qui j'ai eu beaucoup d'échanges dans les années précédentes. Alors, simplement, je vous explique une petite histoire par rapport aux dons d'organes. Et vous savez, moi, j'étais de garde en tant qu'interne, et les dons d'organes se faisaient de façon absolument très chère, et de temps en temps, c'était pas organisé. Et les anesthésiologues avec lesquels je travaillais, surtout docteur Manulik, par hasard, qui venait nous faire les anesthésies au bloc obstétrical, eh bien, il a développé ce qu'on a appelé plus tard le modèle du don d'organes dans le monde. Et c'est à l'hôpital clinique de Barcelone qu'on a développé ce programme. Et on va faire une greffe style Barnard ou pour la presse. Non, on va essayer de faire quelque chose efficace, efficient et pour le grand nombre de personnes. Ils ont industrialisé le don. C'est-à-dire, ils ont tenu en compte toute la chaîne du don. C'est pas simplement les médecins, les chirurgiens, mais c'est aussi les immunologues, c'était aussi les infectiologues, c'était aussi tous les gens qui étaient impliqués avec les gens qui étaient décédés, qui étaient dans les unités de cures intensives, et
Tout ça, ça a été mis en place de façon que Barcelone est devenue, étant encore aujourd'hui la capitale du monde du don d'organes, et que le taux de greffe par million d'habitants depuis que le registre existe, on est le numéro 1 au monde. Et avec des coûts bien inférieurs que dans le reste du monde, parce que, comme vous savez, le produit intérieur brut de la France est bien plus développé que l'espagnol, et le pourcentage de ressources dévouées à la santé que vous avez est bien plus fort en termes relatifs aussi, mais nous avons des indicateurs de santé similaires. Donc, ce n'est pas simplement le fait que vous ne payez pas, mais toi, tu étais payé quand tu étais au CHU quand même. Donc, on ne peut pas dire on ne voit pas l'argent. Non, on ne voit pas l'argent de la même façon, mais l'argent existe et votre système de santé a des coûts énormes. D'accord ? Donc, alors, moi, quand je suis venu aujourd'hui, j'ai pris l'avion Barcelone-Francfort et j'ai pris le bus Francfort-Strasbourg. Et je n'ai pas demandé au pilote s'il pouvait faire des turbouchons, s'il avait atterri jamais dans la mer, savait faire ça, ou si le chauffeur de bus était quelqu'un qui était capable de faire le Paris-Dakar et au lieu d'aller par l'autoroute, traverser les champs et faire le Paris-Dakar. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ça? Je veux dire par ça que normalement, on a tendance à penser que c'est le grand professeur qui va faire quelque chose d'héroïque une fois, mais ce qu'on veut en santé, c'est pas ça. On veut faire des choses qui soient pas chères, qui soient efficaces, qui touchent un grand nombre de la population. Alors, ce que j'ai vu, le chauffeur, il savait pas grand-chose, mais il a bien fait son boulot. Le pilote, c'était pas un pilote extraordinaire, mais tout le monde dans la chaîne, même l'autoroute, tout le monde était au moins un 7. Et c'est pour ça que je suis arrivé sans aucun problème. Et pour moi, la santé, c'est pas de faire des choses héroïques, c'est de faire quelque chose qui coûte peu et qui soit prévisible. Moi, j'étais tranquille que j'allais arriver plus ou moins ici vivant. Voilà. Et c'est déjà beaucoup. Alors, donc, la santé est l'endroit de l'économie qui triture plus les ressources. Vous ne vous rendez pas compte comment on est inefficient en santé. Et moi, ça m'a fait tellement de mal quand j'étais au CHU que j'ai étudié un petit peu d'économie quand j'étais patron. Et je me suis dit, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que j'ai monté le Eugène. Alors, vous, en France, quels sont les avantages que vous avez? Alors, vous avez un avantage que vous parlez d'égalité. Et vous êtes très, très fort. Vous avez déjà même fait une révolution avec quelques morts, je crois, il y a quelques années. Alors, en plus, vous avez un système qui est transparent, vous dévouez des ressources et vous avez aussi quelque chose de très important, une distribution pour tout le territoire très, très forte. Et ça, c'est très fort parce que même si vous êtes, peut-être, je ne suis pas en Martinique, mais si vous êtes à Lyon, si vous êtes au fin fond du pays, de l'Hexagone, que vous dites, eh bien, ça marche plus ou moins bien. Et vous ne faites rien que jusqu'à les choses soient mises en place. Vous avez aussi un système judiciaire que j'aimerais pour moi et je voudrais que nos juges soient comme les vôtres et que votre système soit tellement indépendant comme le vôtre. Et j'adore que je ne sors pas d'ici et je ne vois pas une statue de Pétain et je ne vois pas une fondation Pétain qui soit remboursée et payée par la France, par la République française. Donc je vous envie beaucoup et ça c'est ce qui nous arrive à nous. On a quelques problèmes. Mais quel est l'inconvénient que vous avez? Et je vous félicite parce que vous avez une société mûre et qui est éclaire et a toujours éclairé un petit peu le monde. Mais il faut trouver alors les petits problèmes que vous avez avec ce système. Et dans ce système, qu'est-ce que vous avez comme problème? Eh bien, que vous êtes tellement égalitaire que vous avez perdu le sentiment d'innovation. Ce qui est arrivé dans ce CHU pour le don d'organes, eh bien, ça ne peut pas arriver chez vous parce que vous devez discuter 50 000 personnes pour vous mettre d'accord. Et une fois que vous vous êtes mis d'accord, mais qu'est-ce qui va faire ça? Comment et de quelle façon? Et chez nous, on commence autrement. Il y a des gens qui font les choses dans un cadre. Et c'est la loi qui ensuite prend ce cadre des gagnants, des modèles gagnants, qui sont efficaces, qui sont efficients, qui font bien, et on fait à l'envers. Vous vous attendez une solution magique d'une discussion comme ça, et moi je crois que ça c'est un petit peu dangereux, et je ne tendrai pas parce que je vois que finalement c'est très difficile de mettre en place quoi que ce soit. Vous avez un système aussi, vous dites privé, mais c'est faux, c'est pas du privé, c'est du prise en charge par la sécurité sociale. Et vous avez un système atomisé. L'innovation demande des structures, des boîtes où vous avez un objectif dès le début. Eugène a été créé d'une façon où vous avez un objectif de faire comme ce que j'ai dit par rapport à venir ici. Ça doit être une expérience tout le long. C'est pas le grand pilote, j'attends qu'il soit là, mais non, oh merde, alors il est en vacances, aujourd'hui c'est samedi, il travaille pas, il est dans un congrès de pilote. Non, ce que je veux, c'est quelque chose de prévisible. Et c'est pour ça que j'ai fait. Mais vous, comme vous avez des structures privées, le public, ça va trop lentement, j'ai vécu ça, il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit, des trucs complexes, de structure, d'organisation. Et le privé, vous dites, c'est la clinique un tel, mais ce n'est pas une clinique, c'est des gynécos
en concurrence les uns avec les autres, qui sont payés directement l'un à l'autre, donc pas moyen de structurer quoi que ce soit. Vous avez des laboratoires de biologie et des centres médicaux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Chacun fait son demande à la sécurité sociale son paiement, et voilà. Mais il n'y a pas moyen de vérifier que les choses se passent bien. Vous voyez bien tout d'un coup le biologiste qui a trop de travail un jour parce que tout le monde arrive de vacances le lundi et tout le monde veut faire les stimulations lundi, tout le monde veut faire les ponctions un jeudi, et ça ne marche pas, il faut s'organiser. Alors avec votre système, malheureusement, en AMP, pour ce qui est le don, pour ce qui est les choses compliquées, pour ce qui va être peut-être la GPA, eh bien je le vois très difficile parce que ça demande pas mal d'énergie. Et en plus, il y a une chose qui vous manque, c'est la concurrence. Vous avez perdu ce sentiment de la concurrence. Tout le monde est payé pareil, quoi qu'il fasse, que la femme tombe enceinte ou non, peu importe, parce qu'en plus, vous avez des licences que vous ne donnez pas. Chez nous, on ouvre un centre, on demande l'agrément et on regarde sur le checklist, est-ce que ce centre peut faire de l'AMP? Et ils vont être très durs. Hein. Le ministère catalan de la Santé va être très dur, mais une fois il vous dit oui, c'est oui. Ici, peut-être il y a une licence par région, et c'est la seule, et vous allez bloquer le système, bloque qu'il y en ait d'autres, donc pas de concurrence. Pas de concurrence, pas d'organisation, donc votre futur est compliqué. Peut-être, si je me trompe, vous me dites, mais ça c'est des avis. Moi j'ai toujours été trop fort dans les avis, peut-être vous fâchez avec moi à la fin, mais je vous demande mes excuses. Alors, et vous avez aussi une autre chose, c'est une loi de bioéthique. Je vois ici que vous discutez une loi de bioéthique, et la loi de bioéthique touche à trop de choses. Nous avons différentes lois. C'est très difficile d'arriver à un Parlement, des gens qui n'ont rien à voir à l'AMP, pour discuter des trucs comme ça, et une fois ils arrivent au Parlement, les choses se perdent, ils retournent au Sénat, on n'en sait plus où on en est. Et vous avez une loi qui est énorme, et nous, on a différentes lois. Une loi d'AMP, une loi de don, une loi du monde de don d'organes, et ça, c'est un petit peu plus souple. Je vous dis les choses que je trouve, hein. Je vous dis, moi, nous, on a d'autres problèmes beaucoup plus gros que ça. D'accord ? Donc, voilà. Alors, pourquoi chez nous, ça s'est passé très bien ? Parce que, contrairement à ce que vous avez fait ici, et je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, on a une loi bien avant la vôtre, bien avant, même la première. Le mariage des femmes homosexuelles, ou du couple homosexuel, s'est produit bien avant, 8 ans avant chez vous. Moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais c'est bizarre que la France, en tant que telle, n'ait pas d'avis sur tout cela. Et vous avez interdit tout dans votre loi, vous avez tellement discuté que vous avez tout interdit. Et nous, on a tellement discuté qu'on a interdit ce qui nous semblait qui n'était pas faisable. Et justement, moi, je vous ai dit très longtemps, je vous ai dit, vous irez vers notre modèle, vous irez vers le dédommagement, vous irez vers le traitement des couples homosexuels, vous irez vers les femmes seules, il y a 15 ans que je vous l'ai dit, vous irez vers la vitrification des ovocytes pour les femmes. Et alors, il y a une résistance énorme, mais vous irez vers là. Et l'Espagne n'ira pas en arrière, mais c'est vous qui arriverez là. Vous tarderez plus, vous tarderez moins. Vous pouvez trouver le modèle économique, mais il faut le trouver parce que la société vous demande ça. Donc, faites très attention à arriver jusque-là. D'accord ? Bon, c'est bon. Alors, pourquoi Eugène ? Et je finis par mon projet personnel. Moi, je me suis rendu compte de ça et j'ai vu que j'allais voir une entreprise, j'allais voir Renault, et je voyais que les choses étaient programmées. Une voiture sortait un tel jour, et tout était... Il n'y avait pas 10 voitures qui rentraient à la fois, il n'y avait pas une voiture qui sortait sans le tube d'échappement. Eh bien, tout était prévu, tout était organisé. Alors nous, on a fait un centre où le médecin avait perdu son protagonisme de dire « je suis en vacances, je suis en congrès, alors on doit m'attendre, je suis le mandarin ». Non, il n'y a pas de mandarin, il n'y avait pas de... Moi, je ne faisais pas le patron, je faisais simplement quelqu'un de plus. Et alors on a développé toute la structure organisative, les consentements éclairés jusqu'au bout, tous les fonctionnements d'informatisation, de protection de données, de protection du don, d'assignation de dons, c'est-à-dire c'était quelque chose de très scientifique, et tout était dans un système de qualité où tout se rétroalimentait, c'est-à-dire on faisait toujours mieux. Et tous les patients qui venaient, d'où qu'ils soient, qui faisaient de l'AMP, eh bien, ils étaient interrogés sur les mêmes points pendant des années, les mêmes points, et on faisait toujours des améliorations. Parce que ça n'existe pas, on ne peut pas faire une photo, dire voilà, on est content avec ce modèle, il faut faire l'amélioration continue et sans arrêt, parce que tout évolue, et vous en avez discuté aujourd'hui, l'éthique, tout évolue. Moi, j'étais toujours contre la GPA, aujourd'hui, je ne sais plus. Voilà. Donc il faut faire un petit peu ça. Et aussi les résultats étaient bons, parce que au début, c'était les gynécos qui me disaient « je viens faire de l'AMP chez vous ». C'était ensuite la cousine, c'était les patientes. Ils ont commencé à envoyer du monde. Et les gens revenaient contents
Ils revenaient le jour où vous avez le rendez-vous. Ils avaient, dans le délai prévu, ils avaient le transfert. Et en plus, ce qui était encore plus surprenant, elles tombaient même enceintes souvent plus qu'ici, parce que l'Espagne est le numéro un en Europe en traitement. Et en résultat, c'est très, très fort, parce qu'il y a une industrie qui est organisée autour des résultats et pas autour du fait de faire des cycles. Alors, et les gynécos, vous savez bien, ils sont venus chez nous voir. Et ils ont été surpris de pas de voir les choses médicales, parce que les laboratoires, tout ça, c'était bien mieux, parce qu'on avait des puces pour vérifier que l'identité de tous les gamètes soient exactement codées. Donc si on mettait un spermatozoïde, un ovule qui n'était pas, il y avait des codes qui faisaient, ça tremblait partout. On avait triple recherche. On travaillait 365 jours par an, tous les jours de l'an, pour justement que ce ne soit pas le mandarin du médecin qui dise non, alors je ne suis pas là, vous arrêtez tout. Madame, elle devait être ponctionnée, mais je ne suis pas là, donc ce n'est pas bon. Non, donc on a fait toujours que tout ce qui est la science de la production, de l'industrialisation, se passe bien. Il faut que je dise quelque chose. L'industrialisation, ça aurait l'air d'être un mot laid en médecine, et pas du tout. Parce que le marteau, ça n'a pas de morale en soi. Ça dépend de l'utilisation qu'on fait. C'est-à-dire, on peut bâtir ce bâtiment, son marteau, on ne le bâtit pas, et on peut aussi le détruire. Alors, si ce qui est clair, c'est industrialiser et perdre toute l'âme, c'est pas bon. Mais c'est que l'âme est industrialisable. On veut vérifier que les choses se passent bien. Et nos médecins se sont dégagés de toutes les choses qui n'avaient rien à voir avec leur travail. Ils se sont concentrés sur ça, et on a fait des efforts pour leur faire reprendre le côté humain, justement pour savoir qu'est-ce qui leur arrive, les psychologues pour donner soutien, etc. etc. Et donc ça donne le long des années une avancée qui n'est pas rattrapable. Et c'est pour ça que je vous dis, si jamais vous devez faire quoi que ce soit de nouveau, la GPA, ne pensez pas à changer la loi. Parce que sinon, vous aurez le même problème qu'en endovocyte. Vous en avez discuté pendant des années, vous m'avez tapé, pas vous, mais d'autres collègues à vous, vous faites n'importe quoi, vous faites n'importe quoi, vous faites n'importe quoi. Donc, on avait interdit la GPA, on avait interdit la sélection de sexe, on ne faisait pas n'importe quoi, on ne faisait pas ça. Mais ce qu'on faisait, on l'a fait tout à fait encadré. Mais ça gênait quelque part. Alors, si jamais vous changez la loi, certains d'entre vous, soyez du côté changement de la loi, mais d'autres surtout, soyez dans l'innovation. Comment le mettre en place? Sinon, ça sera de très beaux mots, mais jamais vous allez le mettre en place. Et tout ça, c'est très cher. Et si vous ne faites pas de façon industrialisée, vous allez vous retrouver avec 1%, 2%, comme vous faites en dents de vos cils, vous êtes, je ne sais pas, 1, 2, 3% des cas d'AMP, et ça ne change rien du tout, ça n'améliore pas les résultats de vos femmes, mais ça vous coûte une fortune. Donc le fait que vos patients ne payent pas, ça ne veut pas dire que vous triturez des ressources qui doivent être disponibles pour quoi que ce soit. Voilà, c'est des choix de société. Nous, on a fait ce choix. On peut se tromper, mais c'est ce qu'on a fait. Merci beaucoup, Auriol. Comme quoi, c'est décapant d'avoir un regard de l'extérieur qui regarde ce qu'on fait, qui on est, ce qu'on peut être aussi. Donc merci beaucoup d'avoir témoigné de manière aussi efficace et pertinente et enthousiasmante. Alors bien sûr, ça ne va pas manquer de générer des questions, donc la parole est à la salle. Donc madame, allez-y. Oui, bonjour, Virginie Rio, je représente une association de patients français. La société ? Pardon ? La société ? C'est l'association Collectif BAMP, donc on représente... Ça s'appelle comment, surnom ? Collectif BAMP, B-A-M-P, et donc on représente des patients pris en charge en France, mais aussi des gens qui vont à l'étranger. Et sur la question de... Ah, c'était très intéressant ce que vous avez présenté, mais la question des tensions... Des tensions. Je ne parle pas espagnol, alors je pourrais pas vous le dire en espagnol. Allez-y, on vous entend. La question des tensions intellectuelles que crée ce qui se passe en France pour les gens, c'est-à-dire qu'en France, si on se concentre sur la question du don, c'est gratuit, mais en même temps, les gens se retrouvent face à des délais complètement inhumains. Et en même temps, personnellement, c'est aussi très difficile d'imaginer pour beaucoup d'aller payer pour recevoir un don qui va être un enfant. Et donc l'industrialisation que vous proposez en Espagne, d'un côté, elle est vraiment qualitative pour les patients qui ont recours à vos cliniques. Et en même temps, elle est assez angoissante, hein, parce qu'on ne parle pas
d'une voiture de chez Renault, mais on parle d'un enfant et de tout le symbole et le symbolique qui va avec. Et pour compléter mon propos, pour revenir sur la question des tensions intellectuelles, c'est que les gens qui vont à l'étranger et qui payent pour un don, ils sont aussi dans quelque chose de plus simple par rapport à la dette symbolique qui est nécessaire d'être réglée quand on envisage d'avoir un enfant. Et donc voilà. Donc c'est pour la France, pour la France et pour notre association, c'est cette question de la gratuité ou de du fait de payer. Il faut vraiment qu'on travaille ça et qu'on s'interroge sur toutes les implications financières, psychiques. Et c'est vraiment pas simple pour les gens actuellement parce que tout est mélangé, tout est compliqué. Oui. Mais pourtant, il y a une nécessité de réfléchir à tout ça. Vous témoignez de la difficulté qu'ont les patientes françaises qui sont habituées à un système partagé, mais accessible, parce que je vais dire gratuit. Bon, il n'est pas gratuit, mais il ne coûte pas individuellement. Et donc d'être confrontées à devoir payer, à devoir acheter. Certes, avec un système très efficace, elles y vont. La preuve, c'est que c'est leur seule possibilité, parce que sinon, il y a des délais d'enfer pour avoir un don d'ovocyte qui n'interviendra peut-être jamais. Alors que là, en allant en Espagne ou ailleurs, en Belgique ou ailleurs, elles savent qu'elles vont pouvoir y avoir accès, mais elles sont obligées de débourser et quelque part ça les choque du fait de cette culture française que nous avons. Voilà, comment tu réagis par rapport à ça? Oui, mais vous savez, il y a des choix de société. Je suis passé par l'Allemagne, il n'y avait pas d'autoroute à payer, on passe par la France, on paye des autoroutes. C'est des choix de société et les sociétés choisissent ce qu'elles veulent. Alors vous avez une gratuité dans certains domaines, vous n'avez pas dans d'autres domaines, vous ne posez pas la question si vous avez, vous devez manger, et bien vous payez, et c'est quelque chose de même plus indispensable qu'avoir des enfants. Donc nous on a réglé ça de cette façon et c'est difficile, nous on ne fait pas les choses pour vous. Notre loi, quand elle est faite, c'est un grand pays. Elle ne fait pas les lois pour vous. C'est comme vous, quand vous avez fait les lois des IVG tardives, vous avez fait les lois des IVG tardives, eh bien, on devait envoyer les femmes de chez nous, chez vous, pour faire des IVG tardives parce que notre loi n'était pas adaptée. Pression sur notre loi, on arrange notre loi, c'est réglé, on n'a plus besoin de ça. Alors, je crois que notre modèle, simplement, ce que doit vous faire comprendre, c'est que vous devez trouver une solution, comprendre qu'est-ce que nous faisons bien et essayer de l'adopter. Pas de payer, mais d'être plus efficace. Et je crois que vous ne faites pas ça. Je crois. Oui, je partage ton point de vue, à savoir qu'on y réfléchit beaucoup sur le plan éthique et donc on est capable d'évoluer du point de vue de la loi sur le plan éthique, mais on n'évolue pas sur le plan organisationnel, on n'évolue pas sur le plan financier. Or, les choses sont liées, tu l'as très bien montré, et c'est un vrai problème. Je suis assez convaincu, comme toi, qu'on a beau ouvrir le don d'ovocytes, on ouvrira peut-être la GPA, le problème ne sera pas résolu pour autant, parce que l'altruisme, c'est bien beau, c'est magnifique, c'est super, c'est angélique, mais ça ne fonctionne pas de manière massive. Mais aujourd'hui, par exemple, vous commencez à discuter, je crois, pour cette loi de bioéthique, d'un dédommagement pour les donneurs d'organes. Alors, vous m'avez tapé dessus le paiement. Nous, on avait un dédommagement qui était réglé par notre ministère catalan de la Santé. Alors, mais vous nous avez tapé. Maintenant, vous allez dédommager les donneurs d'organes. Mais c'est normal. Les pertes de travail, les déplacements, tout ça, mais quelqu'un doit prendre en charge, mais ça doit avoir un sens. C'est pas payer, c'est prendre en charge ça. Donc il faut utiliser et donner les noms aux choses et que les sociétés acceptent. Chez nous, il n'y a aucun problème, zéro problème, ça passe sans aucune difficulté tout ça. Il n'y a pas de discussion. Les gens ne disent pas c'est cher, c'est moins cher, le don ça se fait mal, ça se fait bien. Tout ce débat-là n'existe pas. Donc c'est réglé. Parfaitement. Allez-y, madame. Je rebondis sur ce que vous venez d'expliquer à propos de l'indemnisation, justement. La notion d'indemnisation, quand on la réfléchit à l'échelle d'un pays, elle peut être considérée comme une indemnisation. Par contre, si on reprend cette somme-là par rapport à d'autres pays, elle peut constituer un véritable salaire. Est-ce que toutes les donneuses d'ovocytes sont espagnoles? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que certaines donneuses viennent de pays où ce qui est une compensation en Espagne est en réalité un véritable salaire pour les personnes qui viennent donner ces ovocytes? Toutes les donneuses étaient des personnes qui habitaient sur place. Donc c'était des gens qui résidaient. Non, attendez, mais c'est des gens qui résidaient. Chez nous, il y a à peu près 15-20% d'étrangers qui vivent chez nous. Et à peu près, c'est le même pourcentage de donneurs qu'on a par rapport au local et par rapport aux femmes nées à l'étranger.
Donc, alors, quelqu'un d'ici, qui vit ici depuis 20 ans, c'est pas parce qu'il est au Maroc que vous direz, non, c'est une étrangère qui le fait. Donc c'est pareil, c'est des gens qui vivent avec une... c'est pas des gens qui se déplacent pour ça. Donc ce débat n'existe pas chez nous, vous voyez. Parce que c'est pas des gens... Alors, il y a eu un moment... Vous avez dit n'importe quoi à un certain moment. Il y avait des bus qui venaient de la Roumanie, mais tout ça, c'est faux. Ça ne peut pas exister, c'est pas soutenable. On peut pas faire, on peut faire un don bizarre comme ça. Mais quand on fait des milliers de cas, ça doit se faire dans un, dans une éthique absolument transparente. Sinon, ça, qu'est-ce que ça ferait? Il y aurait un débat social chez nous, il y aurait un débat à la télé, et ça, ça n'existe pas. Tu peux nous citer un chiffre d'indemnisation d'un don de vos sites? Oui, je crois, c'était dans les 900 euros, mais dans tout. Mais il n'y avait pas de paiement de taxi, il y avait les gens qui les accompagnaient, il y a des pertes de travail, et c'est le ministère qui nous a dit, voilà, c'est 100 euros pour ça, 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 vous devez dédommager comme ça. C'est notre ministère qui nous l'a dit. Et tu as calculé pour une GPA, même si c'est interdit, si c'était ouvert, là, ce serait combien une GPA? Une GPA, je n'ai aucune idée, parce qu'à moi, ça me fait un petit peu mal au cœur encore. Hein. Je n'ai jamais essayé de discuter ça. Alors là, pour le don, je suis tout à fait à l'aise, et pas pour des raisons éthiques. Je ne suis pas à l'aise pour des raisons éthiques, je suis à nouveau pour des raisons d'organisation. Et c'est l'organisation qui me gêne, parce qu'il va y avoir pas mal de soucis. C'est les soucis qui m'inquiètent. Le don de vos sites se passe bien. Quand vous prenez des risques acceptables, parce que l'éthique, c'est pas je donne des gamètes, c'est pas important. Oui, mais à quel coût? À quel coût vous allez donner un rein? Quel est votre risque? C'est acceptable dans la mesure où le bénéfice que vous donnez est très grand et votre problème est moindre. Mais on ne peut pas parler d'éthique sans risque. Donc là, pour la GPA, c'est tellement délicat que moi, je ne peux pas avoir d'avis, je ne suis pas encore prêt. Et j'attends que vous décidiez quoi que ce soit et je verrai ce que vous faites. D'accord. Madame. Oui, sur la question de la rémunération, j'ai eu l'occasion de participer récemment à une étude auprès des patientes françaises qui revenaient de chez Eugène. Et voilà, j'étais très surprise, évidemment, en tant que j'ai relu une trentaine d'entretiens. Et voilà, toutes les patientes françaises qui sont allées, ça se passait chez vous, donc je le dis. Les Françaises étaient justement très désireuses et elles étaient finalement très partantes pour payer. Voilà. Et alors pourquoi? Ce qui était intéressant, parce qu'elles disaient qu'effectivement ce paiement leur semblait la moindre des choses. D'abord, elles ne parlaient pas de paiement, elles parlaient de compensation et elles trouvaient que ça avait un sens. Donc la question de voilà, ce qu'on met derrière l'argent, le sens, elles trouvaient que 900 euros ou 1000 euros, ce n'était pas énorme. Et puis voilà, elles ont vraiment, insisté beaucoup sur le fait que c'était des femmes françaises qui avaient des parcours du combattant, hein, y a pas d'autre mot en France, dans des conditions, bon, j'ai lu des choses qui m'ont fait honte hein, de ce qui se passait en France. Et effectivement, elles ont loué la manière, elles ont toutes dit qu'elles trouvaient que Jean, c'était vraiment du business. Voilà, que c'était vraiment quelque chose qui s'apparentait à quelque chose de très commercial. Mais elles ont toutes dit qu'elles étaient très contentes et qu'elles avaient, et c'est ça qui est dérangeant pour une juriste française, en plus qui a été élevée dans le culte de l'anonymat et de la gratuité, c'est que finalement elle disait à quel point elles avaient senti que cet argent était finalement pour la bonne cause, parce qu'elles s'étaient senties énormément accompagnées. Et voilà, c'est cette idée de comment ce que vous nous dites, des mots de manière un peu provocatrice, mais moi je l'ai ressenti aussi en lisant les témoignages de ces femmes, en disant à quel point finalement cet argent leur avait permis, leur semblait finalement être une condition éthique. Je pense que ce mot, je persiste et je signe sur le fait qu'elle s'était, voilà, sur ce don, elle leur a semblé très éthique. Voilà. Je sais que ça m'a beaucoup perturbée. Je pense que c'est une question qui est difficile à aborder en France, mais peut-être que c'était une toute petite cohorte, hein, je ne peux pas généraliser. Mais je fais aussi référence à l'étude que Leschreux a fait il y a quelques années sur la question de rémunération et altruisme. Comment ça marche ensemble? Comment s'appelle le médecin anglais qui était là mercredi, j'ai oublié son nom, François Schenfield. Et vraiment, cette étude était très intéressante. Elle fait partie des gens qui l'ont pilotée. Montrer à quel point, voilà, la rémunération n'est pas antagoniste, enfin, n'est pas nécessairement contraire à l'idée de l'altruisme. C'est une question de balance. C'est une question d'équilibre. Quand il y a vraiment trop d'argent qui est versé, effectivement, on verse dans quelque chose que les gens n'ont pas, dans lequel les gens n'ont pas du tout envie d'aller. Et moi, ce que j'écoutais je lisais, parce que je ne les ai pas vues, de ces témoignages, c'est qu'elle trouvait que ce qui était donné à la femme qui donnait ses ovocytes et l'argent qu'elle donnait à Eugène leur semblait
correct, voilà, raisonnable, acceptable et finalement quelque chose qui les rassurait. Merci beaucoup pour votre commentaire hein, qui est novateur effectivement hein, pour une culture française hein, où notre culture c'est à partir du moment où c'est bon, le soin est bon, il faut qu'il soit remboursé. Eh bien, on voit qu'il peut y avoir de l'éthique dans l'argent, y compris dans l'argent. C'est... Alors, allez, moi, deux dernières questions. Oui, est-ce que vous avez calculé le coût personnel des femmes qui ont perdu leur fenêtre d'avoir un enfant à leur moment parce que, et que vous avez bloqué ici. Bien sûr. Alors, ces donneuses, vous ne les connaissez pas, mais si vous voyez les questionnaires qu'elles font, comment elles demandent si ça marchait, si ça servait à quelque chose, leur intérêt pour tout ça, alors vous diriez, du point de vue empirique, c'est comme ça parce qu'il faut être empirique. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça se passe bien? Si vous me dites, alors moi je viens ici. Si je dois me payer le transport, ils me disent « oui, c'est très joli, on ne me paye pas, mais en plus tu dois te payer le transport, l'hôtel et tout ». Je vais dire « oh, un petit moment là, hein. je perds un week-end, mais en plus c'est moi qui dois… Hein » Non, c'est pas le cas. Comment je peux ne pas être rémunéré, mais je peux pas être. C'est pas moi qui dois avoir le mal, le problème. C'est vous. Vous êtes là. Quelqu'un doit payer pour que je vienne. Sinon, il y a aussi un petit problème, non? Donc, très pragmatique. Quand vous prenez vraiment le taxi, il y a quelqu'un qui vous accompagne, qui ne peut pas travailler. Vous ne savez pas quel jour de la semaine, au milieu de votre travail, vous devez arrêter pour faire une ponction. Au moins, vous devez être dédommagé et de façon prévisible. Voilà. Parce que vous, finalement, en France, vous savez ce que vous faites? Vous payez un taxi, mais hors système, par d'autres frais, d'un autre côté. Vous payez l'ambulance, je ne sais pas quoi. Vous allez faire les piqûres à la maison par une infirmière. Et ça vous coûte une fortune pour rien du tout. Merci de ce pragmatisme. Allez, les deux dernières questions. Il y a Catherine qui... Ah, pardon, c'est Louis. Louis, vas-y. Auriol, bonjour. Je pense qu'on va te prendre comme ministre de la Santé. C'est très intéressant, l'expérience de l'Espagne. J'ai juste deux questions. La première question, c'est les caractéristiques socio-démographiques des donneurs et donneuses en Espagne. Ça, c'est une vraie question, parce que, autant que je me souvienne, j'ai lu dans la presse... notamment après la crise de 2008, que vous aviez un nombre de donneurs et de donneuses qui avait augmenté, et les autorités se posaient la question de savoir s'il ne fallait pas limiter l'indemnisation. Mais je suis tout à fait d'accord sur l'indemnisation. Après, c'est la limite qu'on peut mettre. Ça, c'était ma première question. Et la deuxième question, c'est, as-tu un mot à nous dire sur l'anonymat et la question de l'anonymat en Espagne? Allez, réponse courte, parce qu'il y en a encore une ultime. Alors, très vite. Nous avons la même loi dedans. Le concept de loi dedans est le même parce que c'est une directive européenne. Ce n'est pas qu'un petit truc d'interprétation par rapport à ce qu'est le dédommagement. Et pendant la crise, bien sûr qu'il y aura, un 10% de femmes qui nous disent « j'ai fait ça pour l'argent ». Bien sûr, toujours ça va exister. Mais il y a aussi pendant la crise beaucoup plus de femmes qui n'avaient rien à faire pendant la journée et qui avaient plus de temps pour ça. Donc c'est difficile à dire qu'est-ce qui était. Et par rapport à l'anonymat, il n'y a pas de discussion. L'anonymat, c'est anonyme. On n'a jamais discuté de ça. Et à ma connaissance, je vous dis, je ne suis pas plus dans le secteur. Je ne crois pas qu'il y ait de débat et ça ne se discute pas. Ici, je vois que vous discutez jusqu'à vous épuiser. Hein, je sais pas. On n'est pas épuisé parce qu'il faut encore tenir jusqu'à demain soir. Vas-y, Catherine. Je voulais juste porter ça à votre réflexion. Est-ce que finalement le dédommagement, est-ce que les femmes payent dans le don, c'est une certaine façon, à l'instar des psychanalystes, hein, finalement, qui font payer leur consultation et qui reçoivent du patient un certain nombre de choses, une façon en fait de pas de payer son don, mais de ne plus être redevable. C'est-à-dire que toutes les femmes ne peuvent pas faire un contre-don, hein, et pour de bonnes raisons. Et donc, parfois, le contre-don, c'est une façon, et on le voit très bien, de payer son don, enfin, de rembourser cette dette-là, et le fait de dédommager la donneuse, c'est aussi une façon de payer cette dette. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que tu le sais très bien, dans notre société publique, enfin dans notre hôpital public, que ce soit, je pense, en Espagne comme en France, l'efficience, et je pense qu'on est tous, et je voudrais quand même le dire, les médecins qui travaillent dans le public ne sont pas tous des neuneux, on arrive quand même à réfléchir, à essayer d'être efficient. Le problème, c'est qu'on peut prendre toutes les décisions du monde, si derrière, on n'a pas les financements et un soutien de la direction ou même de l'État, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est plutôt de l'État que de la direction de nos hôpitaux, eh ben, on ne pourra rien faire. Donc c'est une énorme question, mais je pense qu'on est tous prêts à faire une organisation efficace et efficiente, mais qu'on n'a pas les moyens derrière pour le faire.
Oui, les moyens, mais aussi changement absolument de la façon de fonctionner. Ce n'est pas simplement un problème de frais, c'est un problème de comment est-ce que... Parce que les organisations, il faut les réinventer. Si vous avez Renault et vous les mettez à faire une autre chose, ça ne marche pas. Et si vous prenez une industrie traditionnelle d'artisans et vous les faire Renault, ça ne marche pas. Donc il faut repenser les choses. Et les structures qu'on a aujourd'hui dans les hôpitaux publics ne sont pas faites pour ça. Merci beaucoup, Auriol. C'est le mot de la fin, hein, parce que tu as eu ce regard critique et on t'en est reconnaissant. Je m'excuse. Merci beaucoup d'avoir parfaitement couvert ce sujet et vraiment d'avoir illustré les choses de manière magnifique. Alors maintenant, on ouvre un troisième volet qui est encore autre chose et qui va être couvert donc par Maude Buchicio, donc avec son approche, son expérience personnelle en tant que responsable de haut niveau, donc couvrant les sujets concernant les enfants. Merci beaucoup Bernard. Oui, le sujet jusqu'à présent abordé... Super intéressant. Moi, je viens complètement d'un autre angle et je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Mais je voudrais commencer à remercier Israël pour m'avoir invité et aussi pour le féliciter pour avoir persévéré depuis tant d'années d'organiser ces débats dans le cadre du forum sur la bioéthique et ce soir particulièrement. D'avoir choisi ce thème qui se prête effectivement à un débat parce que je ne pense pas qu'il y a de vérité absolue. C'est des opinions qu'il faut entendre et qui, j'espère, pourraient aussi être entendues lorsqu'il s'agit de légiférer parce que je ne pense pas que ça devrait se limiter au débat au sein du CNNE. C'est vraiment un débat de société et tous les points de vue ont leur valeur et méritent d'être écoutés. Alors quand j'ai su quel est le thème de ce forum, produire ou se reproduire, société de marché et marché de reproduction, j'ai pensé tout de suite à ce qu'on entend souvent dire, c'est qu'on vit dans une société où tout se vend et tout s'achète. Et alors la question que je me suis posée, est-ce que lorsqu'on met cette question dans un contexte de la GPA, est-ce qu'il s'agit d'une vente, une prestation contre rémunération? Et c'est ça ce que je voudrais développer un peu avec vous. Je n'ai pas pu assister à tous les débats qui ont précédé. Je n'ai pas non plus eu le privilège d'entendre Jean-François Mattei, mais j'ai lu dans le journal qu'il a évoqué une question qui m'a beaucoup touchée. C'est qu'il s'est demandé où est la voix de l'enfant dans tous ces débats. Et je prendrai ça comme départ aujourd'hui, en interprétant ce propos au sens large, celui des droits des enfants. Entendre la voix proprement parlée de l'enfant devient important lorsqu'il s'agit de discuter de la question de la recherche et de la reconnaissance de l'identité d'un enfant né de cette façon-là. Mais je pense que l'optique droit de l'enfant doit être à notre esprit lorsqu'on discute de la GPA. Alors, je suis un peu... inhibé pour rappeler devant un public composé de médecins pour rappeler qu'il existe effectivement de différentes catégories de GPA et il y a celle où il y a un lien génétique entre la mère porteuse et l'enfant, c'est ce qu'on appelle la gestation traditionnelle, mais il y a aussi des situations de la GPA gestationnelle où il n'y a pas de lien génétique entre la mère porteuse et l'enfant, mais lien génétique de l'enfant avec le ou les parents d'intention. Et enfin, il y a celle où il n'y a ni lien génétique avec la mère porteuse, entre l'enfant et la mère porteuse, ni entre l'enfant et les parents d'intention. Donc il y a beaucoup de cas de figure, mais ce que je vais vous exposer ce soir s'applique, à mon avis, à tous ces cas de figure. Et quand j'ai dit que je vais aborder la question sous l'angle des droits de l'enfant, je suis bien consciente qu'il y a d'autres acteurs dont il faut
sur lequel il faut réfléchir par rapport à leurs droits, et notamment les droits de, les protagonistes des droits de la femme souhaitent évidemment apporter leur contribution. On a eu une contribution dans la table ronde précédente qui reflétait un point de vue des droits des femmes. Parce qu'il faut savoir que parmi ceux qui veulent qu'on respecte les droits des femmes dans ce contexte, il y en a celles et ceux qui disent il ne faut pas se mêler de ce qu'elles décident de leur propre corps et de leur santé reproductive et sexuelle, donc pas de réglementation. Il y en a d'autres, toujours celles et ceux qui veulent protéger la femme, mais qui pensent plutôt au caractère d'exploitation et éventuellement discriminatoire des mères porteuses lorsqu'on instrumentalise leur corps, surtout si c'est fondé sur leurs besoins de survie, comme c'est le cas par exemple en Inde, au Thaïlande et au Cambodge, pour nommer quelques exemples, et où il y a beaucoup de cas de GPA qui ont été identifiés. Donc, droit de l'enfant par rapport à son droit fondamental de ne pas être vendu. Ça, c'est un droit qui est inscrit dans la Convention universelle sur le droit de l'enfant, qui est un traité des Nations Unies qui a été ratifié par tous les États du monde, à l'exception d'un État que je ne vais pas nommer. Et donc, à ça s'ajoute le protocole additionnel qui interdit la vente d'enfants, la prostitution infantile et la pédopornographie, et qui a été ratifié par 174 États. Ces deux textes sont des textes de droit qui ont valeur de droit dans ces États et qu'il faut garder à l'esprit. Alors, si j'ai choisi de vous parler ce soir sous l'angle tout à fait spécifique de l'interdiction de la vente d'enfants, c'est aussi parce que mon mandat, tel que je vous l'avais expliqué quand je me suis présentée, que j'ai reçu de Nations Unies, c'est justement d'empêcher, d'évaluer la situation dans les États du monde par rapport à ces phénomènes qui sont la vente d'enfants ainsi que l'exploitation sexuelle et la pédopornographie. Mais ce soir, je parlerai que de la vente. Je présenterai un rapport sur ce thème au Conseil des droits de l'homme à Genève au mois de mars, et ce que je vous dirai ce soir, c'est un peu, reflète plus ou moins ce que je vais dire, que j'ai dit dans ce rapport. Je traiterai que marginalement d'autres questions de droit de l'enfant qui sont liées à son statut juridique, c'est la filiation, son nom, sa nationalité, tout ça, ça fait partie de l'identité de l'enfant, mais ça nous amènerait beaucoup trop loin de discuter tout ça. Alors, l'interdiction de la vente d'enfants est une interdiction absolue. Il n'y a pas d'exception. Tous les États se sont engagés à interdire cette chose, cette vente, et de créer des garanties pour empêcher la vente d'enfants. Alors, devant une demande grandissante d'enfants et la pression d'un commerce lucratif, il y a un véritable risque, à mon avis, que cette norme soit sacrifiée. Alors, pour cela, je pense qu'il faudrait qu'on essaie de définir ce que c'est un GPA à caractère commercial par opposition à celle altruiste, dont je parlerai tout à l'heure. Alors, dans la notion de vente enfant, il y a trois éléments. Il y a la rémunération, le transfert et le transfert en échange de rémunération. Alors, en d'autres termes, si la mère porteuse accepte de fournir des services gestationnels et de transférer légalement et physiquement l'enfant, en échange de rémunération, il s'agit d'un GPA commercial. Et sans aucun doute, le transfert promis ou effectué en général constitue l'essence même de l'arrangement et des accords et contrats conclus, sans lesquels le paiement ne serait ni effectué ni promis.
Donc, dans un contexte d'une GPA commerciale, la mère porteuse est payée non seulement pour ses services gestationnels et pour donner naissance à l'enfant, mais elle est aussi payée pour le transfert de l'enfant. Donc, la GPA commerciale, encore une fois, met l'accent sur le contrat et la transaction, contrairement à la GPA altruiste, qui est basée sur une relation gratuite entre la mère porteuse et les parents d'intention. Alors, quelques observations spécifiques. Des contrats de ce type conclus avant la conception constituent effectivement une vente d'enfants, même si l'enfant n'existe pas encore. En effet, un accord de transférer contre rémunération un enfant pas encore né le commercialise et mène inévitablement à la livraison d'un être humain en violation des droits de l'homme. Alors, la fiction juridique employée par des protagonistes de cette approche qui disent que la mère porteuse n'est jamais mère, ni avant, ni durant la grossesse, ni après la naissance, et à ce titre refuse même le nom de mère porteuse, et que donc il peut y avoir de vente, je dirais qu'indéniablement, il y a transfert entre elles et les parents d'intention à l'hôpital, indépendamment du contrat qui considère les parents d'intention comme parents exclusifs. Également, l'idée que les parents d'intention ne peuvent pas acheter leur propre enfant ne tient pas la route, étant donné qu'ils payent au minimum pour avoir l'exclusivité de la parentalité. Ensuite, le raisonnement pour lequel est exclusivement payé pour ses services gestationnels ignore que dans la plupart des contrats, il est fait mention qu'une partie des frais concerne ceux liés au transfert juridique et physique de l'enfant. Le rôle des intermédiaires, et parlons-en, les agences, doit être mis en évidence dans ce contexte. Lorsqu'il s'agit d'une vente d'enfants, les intermédiaires qui ont établi la relation entre la mère porteuse et les parents d'intention et qui demandent d'être payés copieusement et qui encouragent ce marché sont clairement, juridiquement, également responsables dans ce contexte. Les intermédiaires sont celles et ceux qui réunissent les mères porteuses avec les parents d'intention. Alors, il est important de préciser que parmi les intermédiaires, je n'inclus pas ni les médecins, ni les avocats qui fournissent les services qui sont nécessaires à la grossesse. Ce ne sont pas les médecins qui mettent en relation les deux protagonistes. Donc, au cœur de cette discussion, il faut garder à l'esprit que le droit à l'enfant n'existe pas. Invoquer le droit de fonder une famille pour justifier cet argument réduirait l'enfant à un objet ou à un service qui peut être fourni ou livré, et ça irait à l'encontre du principe que l'enfant lui-même est titulaire de droits au même titre que les autres êtres humains. Mais au-delà de ces considérations, il faut aussi noter le risque de dérive aux pratiques abusives qui sont nombreuses. Les cas de criminels condamnés pour abus sexuels en Australie et en Thaïlande qui employaient des mères porteuses. Un milliardaire japonais qui avait commandé 16 bébés nés de 11 différentes mères porteuses en Thaïlande et en Inde. L'abandon d'un enfant avec handicap, l'abandon ou vente des bébés nés en surplus en Inde, ainsi de suite. Il y a aussi des abus dans des juridictions prétendant d'avoir bien réglementé la pratique de la GPA commerciale. Par exemple, aux États-Unis, et notamment en Californie, il y a un cas où une agence avait mis en contact une mère porteuse de 47 ans avec un homme non marié de 50 ans et 3 embryons ont été transférés, menant à une triple grossesse. Le père d'intention considérait trop coûteux les frais médicaux liés à cette grossesse multiple et demande un avortement dit de réduction. Il était stipulé dans le contrat qu'une éventuelle décision sur une réduction
incombait au seul parent d'intention. La mère porteuse refuse et propose d'élever elle-même un des enfants. Qu'est-ce qui se passe? Le père d'intention introduit une action légale contre elle et réclame des dommages-intérêts pour rupture de contrat. Vous voyez où peut ça s'amener? Donc, je souscris entièrement ce que le professeur Nizan a tout à l'heure quand il a dit que lors de la grossesse, c'est elle qui décide ce qui se passe. Donc, conclusion de tout ça, une réglementation s'impose. Et cette réglementation va être basée sur le respect des droits de l'homme et ne peut pas être utilisée pour légaliser une pratique illégale et les arrangements commerciaux qui peuvent être qualifiés comme vente d'enfants. Un élément essentiel, c'est la nécessité pour la mère porteuse d'avoir un droit non exclusif de parentalité au moment de la naissance, à laquelle elle a le droit de renoncer librement ou pas, et ne pas être sous une obligation contractuelle pour le faire. Les exemples que nous avons entendus, c'était l'Israël, il y a le Royaume-Uni, où il y a effectivement une période de réflexion, et ça c'est effectivement ce que je recommanderais. Mais le fait d'accorder dès la naissance, même avant la naissance, la parentalité aux parents d'intention est un élément qui conduit et constitutif de tout ce que peut être, tout ce qui peut suivre et qui peut être, qui à la fin qualifierait comme vente ces événements. Donc, paiement à la mère porteuse avant le transfert juridique et physique n'est pas conditionné par le paiement. Donc, avec tout ça, ce qui est un peu indispensable à mon avis aussi, c'est qu'on doit évaluer tout le long de la procédure l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est aussi une exigence de la Convention internationale sur le droit des enfants. Et ça devient tout à fait impératif après la naissance, y compris un examen d'aptitude des parents d'intention. Et les conditions de sa conception. Je vous ai cité quelques exemples d'abus. Et il y a aussi des exemples en Australie où il y a eu une GPA demandée par des pédophiles dans le but exclusif d'abuser de ses enfants, de cet enfant une fois né, et ça s'est passé comme ça. Donc, il y a aussi, comme j'ai indiqué brièvement, qu'il y a le problème d'accès aux origines et à son identité pour l'enfant. Et je suis consciente que ça peut poser des problèmes pour l'anonymat par rapport pour les donneurs de gamètes. Mais je me limiterai ce soir aussi, pour manque de temps, de constater qu'il y a une évolution allant dans le sens de réduire cet anonymat. C'est le cas, par exemple, dans mon pays, aux Pays-Bas, où on va de plus en plus vers une situation où il n'y a plus d'anonymat des donneurs de gamètes. Alors, dernier mot, c'est pas sans importance, c'est que effectivement. Le fait qu'il y a des pays prohibitionnistes comme la France mène au tourisme procréatif, même si on n'aime pas beaucoup ce mot, mais c'est une réalité. Et qu'est-ce qui se passe lorsque l'enfant naît dans ce pays où étranger où la pratique est autorisée ou tolérée? L'enfant revient avec les parents d'intention, avec l'identité de ses parents, et où l'état d'accueil, l'état où vivent les parents, est confronté à, en quelque sorte, accepter une situation illégale. Et si l'État est ferme, ça peut mener à une situation où l'enfant n'a pas d'identité et devient apatride. Et c'est évidemment tout à fait inacceptable. Et c'est pour ça que le travail de la conférence de la Haye, qui porte sur ces questions, est très important.
Je voudrais aussi citer plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui traitent des problèmes associés aux problèmes lorsqu'un enfant vient dans un pays où comme la France, où la pratique est considérée illégale. Et puis un dernier mot sur le GPA altruiste. Ça, à mon avis, ce n'est pas un vente d'enfants. Il s'agit d'un acte gratuit, souvent entre membres d'une même famille ou des amis dans le cadre d'une relation préexistante et surtout sans implication des intermédiaires. Mais une petite précaution, il faut éviter que ce soit des actes de vente déguisés. Et pour ça, il faudrait vraiment payer attention à la nature des paiements, éviter des remboursements pour douleurs et souffrances, des choses pas définies ou des services professionnels. Ça doit être sujet à des contrôles stricts et préférablement juridictionnels. Si on suit ces recommandations, je pense qu'il est possible de satisfaire le désir légitime de parentalité sans atteindre aux droits fondamentaux des enfants, de l'enfant. Et évidemment, je suis ravie de pouvoir essayer de répondre aux questions que mon intervention aurait provoquées chez vous. Merci beaucoup. Vous seul. Vous seul pouviez faire cette intervention parce que vous êtes tellement impliqué dans ces organismes de régulation que votre témoignage est très fort. Donc si je résume, l'indemnisation, oui, elle est acceptable, mais surtout pas au-delà de l'indemnisation parce que là, ça deviendrait une vente inacceptable sur le plan donc, des droits de l'homme et des organismes que vous représentez ici. Alors il y a une question au fond là, oui monsieur, allez-y. Bonjour madame, merci pour votre exposé qui a été fort éclairant. J'ai cependant une remarque, peut-être une question à vous soumettre. Ma première remarque concerne la distinction que vous semblez faire, si j'ai bien compris, dans les gestations pour autrui de type commercial, entre les agences intermédiaires et les médecins et les avocats. J'ai pas bien compris ce qui vous poussait à faire cette distinction, parce que si je saisis bien l'exemple de certains pays, les États-Unis en particulier, mais pas seulement eux, certes, les médecins ne sont pas des intermédiaires au sens où c'est pas eux qui mettent en contact la gestatrice, la donneuse et les parents intentionnels. Mais enfin, on peut pas nier tout de même qu'il y a une partie de l'argent qui est versé par les parents d'intention, non pas aux médecins directement, bien entendu, mais enfin aux cliniques et aux hôpitaux qui opèrent. Quant aux avocats, c'est encore autre chose, il me semble. Puisqu'ils sont payés, eux, pour mettre en place toutes les conditions pour transférer l'enfant. Du coup, je saisis pas bien pourquoi vous êtes amené à les distinguer. Et ensuite, je voulais vous faire une remarque à propos d'une distinction, à propos du fait que vous parlez de l'intérêt de l'enfant que vous mettez au centre, et vous avez parfaitement raison, évidemment. Loin de moi l'idée de le remettre en cause. Cependant, avec des collègues qui sont ici dans la salle, nous avons fait une enquête auprès de magistrats français au sujet de situations familiales qu'ils ont à prendre en charge lorsque des enfants sont nés d'AMP avec insémination artificielle avec donneur à l'étranger et de gestation pour autrui à l'étranger. Et alors, tous ont des positions divergentes personnelles sur la question, mais ils sont très ennuyés avec la notion d'intérêt de l'enfant, auquel ils sont évidemment attachés par principe, mais qu'ils n'arrivent pas toujours à définir avec précision. Du coup, ma question est très vaste, et vous ne pourrez certainement pas répondre, c'est comment arriver à trouver le moyen de définir avec une relative certitude ce qui constitue l'intérêt de l'enfant, de manière à ce que les gens qui ont à en décider, les magistrats en premier lieu, dans ces situations, puissent ne pas être aussi embarrassés qu'ils le sont aujourd'hui. Merci. Merci. Donc deux questions. La première, c'est la distinction entre les différents services. Pourquoi certains sont acceptables, d'autres non ? Ce que je voulais dire, c'est que il faudrait bien distinguer entre les services qui sont rendus, disons, et qui soit par les avocats, soit par les médecins, et qui tout simplement, en raison de leur nature, demandent une compensation monétaire
parce que c'est du travail effectué par ces différents professionnels. C'est parfaitement normal que les médecins qui visitent ces femmes, qui examinent ces femmes enceintes, les visites de grossesse, que tout ça soit payé. Et aussi, lorsqu'il s'agit d'un GPA, il y a souvent des contrats, et ce sera mieux que tout est dans un contrat. Il y a des contrats à rédiger, donc les avocats qui sont là pour aider à rédiger le contrat doivent être payés. Ça, c'est parfaitement normal. La chose devient beaucoup plus douteuse lorsqu'il s'agit des intermédiaires qui facturent des sommes faramineuses pour satisfaire cette demande d'avoir une opportunité de rencontrer une mère porteuse et qui exploitent le désir légitime des parents qui ne peuvent pas avoir des enfants pour se remplir les poches. Tout simplement. Donc, ça sont des intermédiaires, des agences. Il suffit d'aller sur Google et vous en trouvez des centaines qui font des promesses d'ailleurs douteuses, même qui demandent, qui ont aussi parfois des tendances à avoir des attitudes raciales en demandant la couleur des cheveux, de peau, etc. Donc ces agences, je crois qu'il faut les surveiller. Et lorsqu'il s'agit de qualifier quelque chose comme commercial ou pas, c'est la nature des frais qu'il faudrait vraiment bien examiner. Alors, deuxième question. Israël, sur ce sujet, avant qu'on aborde la deuxième partie de la question. Puisque, non, oui. Non, on fait. Alors, la deuxième partie de la question, c'est l'intérêt de l'enfant. Quels sont les critères que l'on peut se donner pour en juger? Oui. Bon, alors ça, c'est un sujet, bien sûr, très complexe. C'est une notion qui est flexible. L'intérêt supérieur de l'enfant, ça peut dire beaucoup de choses et ça peut rien dire. C'est vrai. Mais je pense que c'est un problème de société pour les professionnels de santé qui sont impliqués tout de suite après la naissance. C'est le travail, les psychologues, c'est tout le monde qui est impliqué dans cette procédure où il faut évaluer, par exemple, s'il y a un lien génétique, la situation est bien, bien différente, si les parents sont capables d'éduquer l'enfant, si c'est un enfant qui est né avec un handicap, est-ce que la situation est pareille. Enfin, il y a toutes sortes de considérations où toujours il faut se demander est-ce que vraiment l'enfant pourrait jouer de ses droits de l'homme, et ça c'est une question complexe à laquelle il n'y a pas de réponse absolue. Si vous voulez approfondir la question, l'intérêt supérieur de l'enfant fait l'objet d'une publication, un avis du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, qui est une centaine de pages, et ayant lu ça, vous ne le savez toujours pas. Maud, je vais m'attribuer le privilège de la dernière question. On a dit plusieurs fois qu'en matière de GPA, ce serait bien qu'il y ait une convention internationale. On voit bien que c'est dans les interstices entre les différents pays qu'on peut faire de l'optimisation fiscale, qu'on peut faire toutes sortes de manœuvres. Et dans les interstices entre les législations, ces interstices ne sont pas à la faveur des femmes, ni d'ailleurs à la faveur des enfants. Est-ce qu'il est question à l'ONU de statuer, j'allais dire de manière internationale, sur cette question? Cher Israël, c'est ce que je souhaiterais. Et le but de présenter mon rapport au Conseil des droits de l'homme, c'est justement initier ce processus. Personne jusqu'à présent a eu le courage de le faire, parce que c'est un sujet difficile où il y a beaucoup de divergences entre les pays. Il y a les pays complètement prohibitionnistes comme la France, l'Allemagne, etc. D'autres qui sont plus coulants comme le Royaume-Uni, certains des États carrément en faveur comme certains États aux États-Unis. Mais franchement, il y a une divergence de point de vue, mais alors totale. Reste quand même le problème qu'il y a des pays qui luttent avec ce problème et qui veulent légiférer, mais ils ne savent pas
comment légiférer. Et donc, je pense que dans un premier temps, il faudrait essayer de se mettre d'accord sur un certain nombre de principes fondamentaux. Et c'est un travail à laquelle se livre actuellement une ONG internationale très importante qui est située à Genève, c'est l'International Social Service, et qui est en train d'élaborer des principes de base. Et mon rapport, j'espère, provoquera une discussion. C'est ces principes qui sont actuellement discutés entre des experts, des juristes, des juges de différentes parties du monde, des psychologues, des travailleurs sociaux. Une fois qu'elles seront prêtes, je pense que ça devrait aussi faire partie de la matière sur laquelle on discute. Et qui sait, un jour, il y aura cette convention internationale qui, à mon avis, est indispensable, mais je crains qu'il n'y ait pas encore assez de consensus au sein du monde pour arriver à un tel texte. Il nous reste à vous remercier, les conférenciers. Vous avez été exceptionnels. C'est bien de terminer sur la note d'espoir qu'elles viennent nous donner. Merci beaucoup. Merci à tous les trois.